Les troubles digestifs, encore, pour les gens qui partent de l'eau, c'est parce que vous avez un beau. Et pour vous apprécier de le savoir au milieu de nous, donc par exemple, il est venu certainement pour le mariage, et certainement avant le mariage, c'est parce que Dieu aura aussi le soin de nous entretenir, que le Seigneur le bénisse, et quand il est là. Donc nous aurons l'occasion de recevoir des salutations. Donc soyez patient, si possible, de m'entretenir, et nous ferons le point de. Vous voyez, les derniers frères et sœurs qui sont avec vous. C'est cela aussi le grand Seigneur. Nous devons être dans la joie de savoir que nous avons des bien-aimés qui sont dans un village. Des bien-aimés qui croient la même chose que nous, avec lesquels nous vivions dans le même esprit. Et tout cela, ce sont les merveilles du Seigneur. Le samedi, à la grâce de Dieu, nous aurons un autre coup. Ce sont des choses que nous devons ajouter. Ça fait bien d'entendre cela. Et chaque frère et sœur doit pouvoir se disposer pour cela. Oui, le nombre de mariés doit pouvoir s'étendre. C'est l'agir au sein de l'Assemblée de Commencie. Et cela est important. Et je pense que ça veut dire notre frère Philippe et notre sœur Sylvia seront mariés. Amen. Et c'est la joie dans notre cœur parce que nous voulons les accompagner avec tout le plaisir et tout le bonheur. Ce sont des saints qui s'épanouissent. Et non seulement des saints, mais une partie du corps que nous formons. Quelle devait être notre attitude, notre comportement? L'Église doit changer les mentalités. Le bien d'un frère, c'est le bien de tout le monde. La joie d'un frère, c'est la joie de tout le monde. Tout le monde doit pouvoir s'y mettre. Si quelqu'un essaie de laisser dans les cas, ce n'est pas normal. Qu'il se ressaisisse le plus tôt possible. Amen. Parce que c'est la fête de tout le monde. Amen. Si quelqu'un ne s'exclut, il joue un jeu dangereux. Parce qu'il ne s'exclut pas de pas un homme, mais il s'exclut de l'ensemble du système de Dieu, du corps du Seigneur. Je voudrais qu'on laisse un peu cela. Nous allons voir le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12. Nous allons lire le verset 18. Le ministre a tout dit. On nous dit, et descendre au verset 24. À partir du verset 18 d'abord, puis nous descendons au verset 24. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 18. Maintenant, tu as placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc, c'est Dieu qui fait cela. Il a placé chacun des membres dans le corps comme lui l'a voulu. Dans sa maison, il a disposé les choses comme lui veut. Il a fait de Philippe le pianiste de l'Église. Alléluia. Amen. Il a fait de la sœur Sylvia une police. C'est vrai qu'elle n'a pas eu le temps pour le chanter, mais imaginez-vous, quand ils seront mariés, Sylvia aura assez de temps pour se consacrer davantage à l'œuvre de Dieu. Est-ce que ce n'est pas bon cela? Mais le profane, lui, il regarde cela d'une autre manière, lui, il ne comprend pas les choses de Dieu. Le prophète lui va dire, ah, ça Sylvie va se marier. Ou bien Philippe va se marier. Mais moi, alors qu'est-ce que ça va devenir? Mais tu ne comprends rien. Mais ce mariage a peut-être une source de bénédiction pour toi qui as assis là. Amen. Parce que tu ne peux comprendre les merveilles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous membres. Et Dieu nous a partagé, nous a mis en fonction des uns et des autres selon que lui le désire. Ce n'est pas le bon plaisir d'un homme. Oui, nous descendons au verset 24. Verset 24. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Donc, même dans le corps, il y a des parties faibles et il y a des parties fortes. Le corps, là, c'est
lui-même, quand on tourne derrière, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'auteur de son corps. C'est son corps, il est la tête. C'est comme on prend les mains, on dit le frère animé, lui il est sa tête et voilà son corps. Dans son corps, il y a des parties faibles. Mais, quand même qu'il y a des parties faibles, n'importe qui ne veut pas dans ce corps. Parce que pour y entrer, il a donné les conditions, c'est par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, alors tu ne comprendras jamais le bien-être du corps. Tout ce qu'on va faire, tu vas t'exclure. Tout ce qu'on va faire, ça va pas te préoccuper. Mais quand tu es baptisé de l'Esprit, même si on te dit de balayer, tu seras content de balayer. Alléluia. Alors quand les serviteurs de Dieu se rassemblent, se réunissent, et qu'ils donnent les différentes tâches aux uns et aux autres, mais c'est la grâce de Dieu. Ceux-là même qu'ils choisissent, c'est parce que les serviteurs de Dieu sont convaincus qu'ils font partie du corps, que les serviteurs de Dieu les ont placés. On te donne une tâche. Mais c'est parce que les serviteurs de Dieu croient que tu es pas un membre intégral du corps, qu'une tâche t'a été confiée pour le servir ce qui t'est demandé. Maintenant, quand tu dis non, là où Dieu m'a placé, là, moi, ça ne me plaît pas. Moi, je vais être placé ici, alors comme je suis placé ici, moi, je ne ferai pas ce qu'on m'a demandé de faire. Tu joues à un jeu dangereux. Et c'est pas bon. Alléluia. Tu as la possibilité. Si une place ne dessine pas, tu peux venir voir le pasteur pour dire que cette partie-là, vraiment, je ne me sens pas bien là-dedans. J'aimerais réellement être dans un poste où je veux mieux donner, comme on le dit, mon expérience. Et ça, on dit c'est un bon esprit. Mais tu ne dis rien. Et puis tu ne veux rien faire, ça devient dangereux. Nous devons faire les choses simplement parce que nous sommes des saints. Nous ne pouvons pas penser que les frères puisse tacler un frère ou bien un frère puisse en vouloir un frère. Nous ne sommes pas dans ces bassesses. Mais nous travaillons pour le service de Dieu. Pour le bien-être des saints. Amen. C'est un devoir. C'est une obligation de prendre soin des uns et des autres. C'est écrit. Ça vous permet de faire de se marier. Nous faisons un effort pour y contribuer. Parce que la participation au service des saints est impérative, c'est obligatoire. Sinon, tu t'exclus de l'œuvre de Dieu. Oui, bien aimé. Monsieur le Seigneur. Oui. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, oui, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Il ne faut pas avoir été l'esprit. Esprit de division. Non, moi je le laisse faire. Si ça échoue, on va le voir. Ou qu'il est loin, moi je l'exclus. Pour le temps que ça réussisse, ce n'est pas bon. Amen. C'est un esprit de division. L'esprit de Dieu ne conduit pas à cela. Amen. Et le Seigneur nous dit ici, en fait qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais si le Seigneur le dit, c'est pour interpeller ses enfants. Tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu ne s'occupe pas de toi. Mais si tu te parles, si tu t'interpelles, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce que tu es sa fille, tu es son fils. Alléluia. Dieu ne t'a pas répondu. Mais Dieu ramène ses enfants. Parce que ses enfants lui sont chers. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Nous devons prendre soin les uns des autres. Quel est le problème? C'est la fin de tout le monde. Amen. Alléluia. Afin de finir bien sûr ici, c'est notre affaire. Alléluia. Amen. Avant de passer au passage, nous allons venir aussi au niveau réellement du préjudice de la soeur Alida. C'est vrai que c'est une mise en ordre. C'est, ils vont se mettre à l'aise, régulariser la situation, mais nous devons les accompagner avec le joie et faire le minimum que nous devons faire. Amen. Mais c'est cela l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ça se travaille et ça c'est parti. Qu'est-ce que je peux faire pour que le Seigneur soit content de moi? Amen. C'est cela le plus. Hier, j'étais avec le vrai Jésus. Je lui ai dit,
Et puis nous sommes en train de discuter. Mais en même temps que nous parlons du frère Julius, nous allons commencer à nous préparer aussi pour le mariage du pasteur à juin. Parce que c'est nous là-bas, on va faire de sorte que demain, il soit content jusqu'à dans ce côté. Ça, c'est notre devoir. Et puis nous allons y arriver. Ayons de la joie de faire ce qui est juste et bon. Amen. Et Dieu va nous donner. Puis il fait nous continuer. Verset 26. Oui. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Donc c'est normal. Ou bien tu n'es pas dedans, ou bien tu es dehors. Soit tu es dedans. Si un frère souffre, mais on ne veut pas qu'il soit soigneur. Nous devons tous en souffrir. C'est à cela que Dieu nous a appelé. Nous devons quitter le camp de l'adversaire, notre ennemi, pour être dans le camp de Dieu. C'est dans le but de nous vivre vers une fraternité vraie, authentique, un amour de Dieu véritable. Oui, frère. Si un membre est honoré, tout le monde se réjouit avec lui. Alléluia. Donc, je te mets ça avec le vendredi, et ça veut dire, c'est l'honneur de Philippe, Nous devons nous réjouir. Nous devons être honoreux, être fiers. Quand on dit, chacun va donner, où je dois rentrer, là où il y arriver, je dois rentrer. Mais si tu n'as pas participé, tu es libre. Jésus aussi lui te regarde. Ce n'est pas le regard de quelqu'un. C'est le regard de Dieu lui-même qui te regarde. Il n'a pas dit que forcément tu as de l'argent. Si on a demandé 10 000 francs, 10 000 francs chacun, Dieu lui-même pourrait t'avoir, tu sais que tu n'as rien. Et que tu n'étais pas au moins pour amener 2 000 francs, le Seigneur lui-même sera content et il va dire que tu as donné plus que les autres. Amen. Mais il faut faire quelque chose. Amen. Alors on dira que l'amour de Dieu est dans ton cœur. Et puis quand tu vas finir, tu penses que le Seigneur va t'abandonner? Il va jamais t'abandonner. Parce qu'il sait à l'intérieur de ton cœur comment est-ce que tu as souffert pour y arriver. Amen. Amen. Ta vie va changer. Nous devons changer de mentalité. Alléluia. Nous allons revenir à notre sujet. Alors, la première fois, nous avons parlé des prophètes. Et nous avons vu aussi que Abraham, notre père, était prophète, n'est-ce pas? Oui, il était prophète. Nous allons prendre le livre de Genèse. Nous parlons de la préparation de notre radio, il faut connaître ces choses-là. N'importe qui n'est pas un élu. Hein. Ce n'est pas qui veut qu'il est élu. Pour être élu, il faut remplir les critères. Abraham est un véritable élu. C'est pourquoi nous devons imiter Abraham. Nous devons lui ressembler. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Comment a-t-il commencé? Comment a-t-il terminé? Nous devons appréhender ces choses-là. Et imiter sa voix parce que Dieu a pu plaisir à Abraham. Mais c'est pas parce qu'Abraham était fort, c'est pas parce qu'il était tout puissant. Abraham était un homme comme nous, mais seulement il a donné son cœur tout entier à Dieu, que même s'il avait des faiblesses, il ne monnayait pas son amour pour Dieu avec quelqu'un. Nous devons aimer le Seigneur comme Abraham a aimé le Seigneur. Alors, dans le livre de Genèse de chapitre 18, de verset 1, comme nous étions en train de lire, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chefs de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur des jours, le Seigneur lui a apparu. Mais Abraham est quitté où? Et puis le Seigneur apparaît comme ça à Abraham. Et ça a commencé quelque part. Mais c'est son amour pour Dieu qui lui a valu cela. La piété d'Abraham a fait que le Seigneur lui parlait à des moments indiqués. Si tu aimes le Seigneur, si l'amour de Dieu est à l'intérieur de toi, le Seigneur au moment indiqué va te visiter. Dans le Seigneur, il n'y a pas de pitié. Ce n'est pas le fait d'être un homme, ou bien lui, il est content, ou bien également, peut-être que telle personne est passée
faire avec cela. C'est individuel. Si vous êtes mis et que vous avez le Seigneur de manière particulière, le Seigneur va vous visiter, vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous n'aimez pas le Seigneur et que parmi vous, il y a un seul qui aime le Seigneur, de manière particulière, le Seigneur va visiter la personne qui aime le Seigneur. On attire l'attention des uns et des autres à prendre à cœur l'amour de Dieu. Comme Abraham a aimé le Seigneur. Ce que tu sèmes, ce que tu fais maintenant, va parler pour toi demain. Si aujourd'hui tu fais mal, mais demain tu vas supporter les conséquences. Mais si aujourd'hui tu ne comportes bien, les avantages ne seront profitables demain. Abraham s'est bien comporté et Dieu s'est révélé à Abraham. Qui est Abraham? Un homme pieux. Alléluia. Abraham avait l'amour de Dieu. Oui, bien aimé, nous allons lire deux, continuer un peu. Je vais essayer. C'est deux. Oui. Il éleva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout auprès de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux et prit l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Bien-aimé, on lit, hein. C'est comme un journal, c'est comme un cours et puis on passe par-dessus. Mais ce sont des chapitres, des moments d'heures, des heures qui sont déroulés là, dans ce destin-là, dans ces versets. Le Seigneur d'abord est apparu à Abraham. Après, qu'il s'est révélé à Abraham, quelque temps après, alors qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente, il a aperçu trois hommes. C'était près de lui, non près de lui. Il a voulu les parties s'incliner. Et qu'il s'est conseillé, il a invoqué le nom d'un seul de parmi eux. Que mon Seigneur ne passe pas loin de son secteur. Mais comment est-ce possible? Mais c'est vrai que Dieu lui a apparu. Mais parmi les trois hommes-là, Abraham ne pouvait pas faire Dieu. Hein? Mais quand tu fais bien, les grâces de Dieu là, ne vont jamais te dépasser. En fonction de ta disposition, Dieu favorise le moment disponible où il va te visiter. Ça a été le cas de Corée. Il était dans Dieu. Alléluia. Avant que le Seigneur ne le visite, il a posé des actes. Faut pas regarder à ton frère. Vis la parole de Dieu. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Adore ton Dieu. Aime le Seigneur. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par quelqu'un qui a besoin de moi ou bien de ce qui se passe de moi. J'aime le Seigneur parce que je me vois de l'aider. Je suis fait pour cela. Et quand tu fais bien, le Seigneur t'a indiqué au moment où les hommes ne vont pas s'attendre, au moment où les choses difficiles vont venir, le Seigneur va te visiter. Bien aimé, nous allons lire le livre des Actes 10 et voir un peu quelque chose de venu dans le livre. Actes 10, verset 1. Acte chapitre 10, verset 1. Oui. Il y avait à Césarée un homme nommé Cornèle, centenier dans la couronne dite. Un païen, en ce moment, la ville a cité un païen. Alléluia. Cornèle. Il était soldat dans l'armée de Rome. On peut aller n'importe où, et puis Dieu va avoir des enfants partout. Amen. Cet homme était pieux. Il était pieux, on parle de la piété. Quand on dit que quelqu'un est pieux, il atteint le niveau de la piété. Il est comme Dieu. Le Seigneur est comme lui. Amen. Quand tu es comme Dieu, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Tout ce qui te préoccupe, c'est l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que tu dois procéder pour que les choses se passent bien dans la maison de Dieu? Parce que ta vie là, elle appartient à Dieu. Tu es un don de Dieu.
t'es plus. Ton œil n'est plus. Un bon témoin est dans le milieu. Il y en a qui vont te critiquer. Est-ce que tu es venu pour écouter les critiques des hommes? On arrête de critiquer, mais les critiques ne vont pas t'empêcher de faire toujours ce qui est bon, ce qui est juste et bien. On te critique, on va parler mal de toi, mais ce que tu es en train de servir de pied là, demain ça va pousser, tout le monde va voir. Ceux qui t'ont critiqué là, ils vont se cacher. Sans patient, sans persévérant, bien faire ce que tu fais là. Ça va te dévoiler tes mains. Tout le monde te regarde. Même si tout le monde ne te voit pas, Dieu te voit. Mais c'est ton problème. Des personnes, tu vas venir, tu vas prier. Entre un frère et un frère. Lui, il est à l'aise, il est à l'aise avec lui. Comme l'autre ne t'arrête pas, tu n'es pas avec lui. Mais c'est ton problème. Mais le Dieu sera dans l'harmonie avec tout le monde. Amen. Oh, Dieu. Oui, frère, nous continuons. Cet homme était Dieu, il craignait Dieu. Il craignait Dieu, il avait la crainte de Dieu en lui. Il craint Dieu. Oui, frère. Avec toute sa maison. Et sa maison. C'est-à-dire que la manière dont il l'a fait, il a influencé positivement sa maison. Quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, notre maison va être le premier à tirer profit de cela. Chacun va s'y mettre. Tu n'as pas dit de donner bénédiction à quelqu'un. Quand tu vas à quelqu'un, et puis quand tu m'entends à quelqu'un à la maison, dans le réveil, en fait, quand tu vas pour les rempli. Et puis quand tu manges, comme on le dit, à ton là. Mais on va où? C'est que toi, tu n'as pas compris. Mais pour lui, la terre, c'est pas pourri. C'est quoi pour lui va être versé? Il mange le poulet du frère, comme il n'a plus envie de manger. Parce que c'est chez toi, laquelle poulet dans son palais. Quand tu as reçu la grâce de Dieu, et que la crainte de Dieu dans ton cœur, c'est ta personne d'abord qui bénéficie. Ça quitte le chez vous, et puis ça s'en va. Mais là, imaginez. C'est ce que tu te donnes, laquelle tu transmets à ta maison. Si toi, tu es là pour haïr les uns et les autres, ton enfant va commencer à haïr. Ta femme va commencer à haïr. Votre maison va commencer à mépriser. Vous n'allez même pas avancer. Et puis le temps venu, Dieu va vous juger, vous condamner. C'est l'enfer. Vous serez quoi que vous avez été subi. Vous ne serez pas subi. Hein? Parce que chacun sait ce qu'il fait. Prenons confiance pour notre marche. Parce que la marche, c'est avec le Dieu qu'elle fait. Et non, ce n'est pas pour l'homme. Alors, il craignait Dieu, lui et toute sa maison. Oui, frère. Cet invité Dieu, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Il soutenait l'œuvre de Dieu. Il faisait des demandes. Quand il y a un frère qui a des difficultés, puisque Dieu l'a béni un peu, il est centenier, il a un peu d'argent. Il n'était pas orgueilleux. Il n'était pas fier. Il était humble. Il le compatissait pour les pauvres. Parce que l'amour de Dieu était dans son cœur. Cet homme-là n'adorait pas Dieu à cause de rien. Amen. Quand il fait, il sait qu'il y a un Dieu invisible, c'est quelque part qui le regarde. Il est conscient. Même si les hommes ne le voient pas, il ne cherche même pas la louange de quelqu'un. Amen. Comment est-ce que Dieu va le prendre? Comment est-ce qu'il va faire pour plaire à Dieu, lui et sa famille? Il œuvrait pour la gloire du Seigneur. Oui, frère. Verset 3. Vers la 9h du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit. Alors, comme il était Dieu et qu'il avait l'amour de Dieu, c'est ce qu'on a mis dans la requête. Celui-là qui a l'amour de Dieu. Celui-là qui vit, après l'amour fraternel, le sincère et véritable. Dieu sera avec nous. Un jour, tu vas te visiter.
l'ange de Dieu, l'ange de l'éternel a dit, mon fils là, il y a le temps maintenant que je fasse quelque chose de particulier pour lui. Une chose particulière pour mon aide. Et Dieu s'est présenté à lui dans une vision. Alléluia. Oui, frère. Qui envoie chez lui et lui et lui dit. Oui. Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit. Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tout ce que tu fais, si tu le fais bien, cela sera content pour toi demain. Ce n'est pas en vain, c'est Dieu. Nous prenons conscience de servir Dieu et de la bonne manière. Ce livre, si tu veux t'exclure, pour ceux qui s'excluent, on va lire tout à l'heure, après ça, on va lire dans le livre de Pierre, si Dieu veut. Mais ceux qui persévèrent dans l'amour à bien faire, Dieu se souviendra de Dieu. Oui, il va se souvenir de toi. Même si tu es beau, apporte-toi à Dieu, dis à Dieu, regarde ma pauvreté et fais bien. Dieu va te visiter au temps indiqué. Alléluia. Alors Dieu s'est souvenu de lui. Oui, frère. Il avait de l'amour fraternel, quand Dieu lui disait, c'est ça. Il était vraiment plein d'amour fraternel. Oui, frère. Verset 6. Mm-hmm. Envoie maintenant des hommes à Joppé. Il fait venir Simon surnommé Pierre. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Cet homme, Dieu, crédit par le Seigneur. Homme plein d'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je vais te visiter. Et quand tu te visites, ne fais pas. Il t'amène son serviteur. Mais si tu es profane, si tu n'as pas de la consultation pour les serviteurs de Dieu, tu vas t'amener qui? Dieu l'a conduit chez un serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, il a la parole de Dieu pour la vie. Il a la parole de l'élection. Ce que là, le serviteur de Dieu, par mandat du Seigneur, va te transmettre, aucun homme sur la terre ne peut te donner cela. C'est ce que j'ai voulu parler. Dieu m'a dit qu'on rentre dans ta chambre là et puis il m'a fait une prière et puis je vais remplir ta maison d'or. Dieu a dit que ce n'est pas utile pour lui. Dieu dit, faut envoyer des hommes chercher mon serviteur. Lequel? Pierre. Un livre. Quelqu'un qui ne savait même pas ni lire ni écrire. Mais Dieu l'a pris et puis Dieu l'a mis au devant de son œuvre. Alléluia. Quelqu'un qui avait des imperfections. Parce que même quand Dieu aussi va lui parler de l'autre côté là-bas, il va trouver à l'église et puis Dieu va lui dire, il faut faire ce que je t'ai dit. Quand vous lisez, vous allez voir. Parce qu'ils avaient peur de se mêler avec les païens. Mais pourtant, Dieu l'a obligé à aller. Et quand il est allé, il lui a apporté la parole de Dieu. Et quand il lui a apporté la parole de Dieu, le don, la chose la plus glorieuse, la plus importante, la plus capitale que l'histoire de l'humanité n'ait jamais connue, la chose la plus vitale qui n'ait jamais existé, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit est descendu sur lui. Quand le Seigneur dit que le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux-là qui lui obéissent, ce n'est pas un Dieu. Mais quand tu viens ici pour voir, qu'est-ce que tu veux chercher? Chacun sait ce qu'il cherche et où il va. Mais nous vous interpellons à chercher de la bonne manière ce que vous devez chercher. Quand on a l'amour de Dieu, on a l'amour de tout ce que le Seigneur fait. On a le respect de ses serviteurs. Parce que vous allez tourner, c'est la seule affaire qui Dieu va vous envoyer. C'est pour moi. Dieu dit, j'ai revu ma maison, j'ai l'église.
le messager qui a lui apporté son message, j'ai une lampe, j'ai pris cette lampe-là, je l'ai placée sur le chandelier dans ma maison, afin qu'il puisse éclairer les serviteurs de Dieu, puisse utiliser cette lumière pour éclairer ceux qui sont dans ma maison. William, mon nom est mort. Alléluia. Mais le message demeure. Qui sont ceux-là qui ont délivré le message? Ce sont les ministres de la parole, les serviteurs de Dieu. Et quand on ne comprend pas cela, on perd son élection. Le travail pour être un élu de Dieu par le ciel passe par tout cela. C'est aussi ainsi qu'on se prépare pour aller à l'enlèvement. Il faut considérer les choses de Dieu. Il faut avoir une disposition particulière. L'amour pour les choses de Dieu. Et le temps viendra où tu vas te visiter de manière particulière. Oui, frère. Verset 6. Oui. Il est logé chez un certain Simon, pourvoyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti. Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et Corneille, il servait le Seigneur avec ce que le Seigneur lui a donné. Il influençait ceux qui travaillaient avec lui. Par sa piété, par son amour à Dieu, pour l'amour de Dieu et de son cœur, il a transmis aussi cet amour-là à ceux qui sont là qui étaient autour de lui. Mais nous, on dit, on sait Dieu, mais on n'influence jamais personne. Il n'y a même pas quelqu'un qui va se dire un jour, vraiment, le monsieur là, le maître de paix, vraiment, là, le voyant, il faudrait que réellement je le suive aussi, pour aller aussi faire comme il fait. Quand on est Dieu, on influence ceux qui sont venus. Alléluia. Comme quelqu'un l'a dit. Si tu n'as pas influencé quelqu'un, c'est quelqu'un qui va te influencer. Si tu n'es pas influencé, le païen qui a voulu de toi par les bonnes œuvres, c'est le païen qui va te influencer. Et quel va te faire les années par son mauvais esprit? On ne peut pas avoir honte. Quand on vient et puis on critique, et puis il n'y a rien dans notre cœur, on méprise, on fait des cacheteries. Ça, c'est un païen qui nous a influencé. Alors que nous pouvons nous influencer par notre bon esprit. C'est lui qui nous influence par son mauvais esprit. Et puis on pense qu'on est quelque chose alors qu'on est chez nous. Les enfants de Dieu ne veulent pas être ici. C'est nous qui devons influencer le monde. Par nos comportements et par nos cultes. Oui, frère. Verset 8. Et après avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alléluia. Frère, on va prendre le livre de Pierre. Et puis terminer juste ce chapitre-là, et puis prier. Mais nous aurons l'occasion de continuer. C'est la préparation pour les noces. On se prépare. Chacun se prépare. Le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en apparaîtront. Tous les remèdes, tous les critères, tout ce qu'il faut également pour amener quelqu'un à se disposer, à se préparer, demander ce que Dieu te parle dans le monde est tombé. Qu'est-ce que tu en fais? Je dis, si tu crains Dieu, tu vas prendre le sourire de ta vie. Mais si tu ne crées pas, tu vas te briser. Et le temps va venir, tu vas te prendre la langue. De Pierre, chapitre 2. Nous allons descendre un peu en bas. Ma vie, c'est une joie. Avant les versets 1, nous disons rapidement. Je vais donner environ 5 minutes encore. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rattachés, attireront sur eux une rue soudaine. Nous devons être prudents. Ce sont les choses. Ça va se passer parmi le peuple. Mais le peuple de Dieu est universel. L'église du Seigneur,
y a beaucoup de situations difficiles qui se passent. Quel est l'élève qui dit il est ceci, quel est l'autre élève qui dit il est cela. Est-ce que les hommes apportent la parole de Dieu comme ils se voient de vrai fidèle? Quand tu sais que tu es un homme, la fidélité de la parole de Dieu apportée, chaque matin il faut bénir Dieu. Amen. On pense que c'est normal ou que c'est naturel. C'est une question de grâce. Parce qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres, il y a des faux docteurs. Et en fonction de ton choix, si tu es tombé sur un faux, ta destinée dépendra du choix que tu as fait. Amen. C'est pas un jeu. Frère, on va essayer 4. Je suis 4. Vous venez de parler. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Même les anges qui ont péché, Dieu ne les a pas épargnés. C'est pas nous, on est rien là. Que Dieu va nous épargner. Jésus-Christ de Dieu. Alléluia. De toute façon, j'ai fait. Quand j'ai fait, le Seigneur, j'ai pris le bâton, le Seigneur va revenir après. Il faut continuer. Il ne faut pas changer. Dieu n'a pas épargné les anges. Qui fait? Même s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, oui, et les réserves pour le jugement. Les anges qui ont désobéi, ils sont gardés. Dieu les a réservés pour le jugement. Ça veut dire que le jugement n'a pas encore eu lieu. Amen. Il y en a qui pensent que Dieu a déjà jugé les anges. Non, 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 non. Il les a sanctionnés en les précipitant. Mais le vrai jugement des anges, parce que le jugement même là, et puis l'enfer là, c'est créé pour eux. Mais eux, ils cherchent des adeptes. Qui sont ceux-là qui sont la police? Les faux pasteurs qui vont inspirer, les faux frères qui vont manifester, qui vont opposer contre les frères, les autres, les frères, les autres. Ils cherchent des acolytes afin d'aller être jugés avec eux. Il faut t'amuser. Bien aimé, la vie là, c'est individuel. Même dans les foyers, le frère il est bien, il est bon, il veut influencer peut-être sa femme et ses enfants, il y a des gens qui sont là, qui ne vont pas vouloir se laisser influencer, mais ils vont comprendre. Nous devons nous laisser influencer positivement et faire ce que Dieu veut. Parce qu'on parle de Dieu, c'est pas les frères. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le frère là il est bien, et puis sa femme vraiment on ne comprend rien. Et peut-être que le frère, il fait tout ce qu'il peut faire. Mais est-ce que cela n'a jamais existé? On a vu notre enfants. C'est écrit dans le cas. Donc, Dieu dit qu'il est juste. Mais nous aurons l'occasion de quoi? Il ne peut pas les laisser influencer de manière positive. Il a fait le mauvais choix. Parce qu'il devait s'accrocher à Abraham. Il a quitté Abraham. Et quand il a quitté Abraham, il a laissé son message dans son temps. Était des élus maintenant. Il a regardé à l'argent. Et c'est comme cela, l'argent explique aussi, c'était le serviteur de Dieu. Ah, si vous me dites moi, mais moi je serais bien regardé. Mais est-ce que tu sais où tu vas là? L'autre était serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un tribulateur. Et comme aussi, il y a des hommes aussi qui sont appelés à passer par la grande tribulation, il n'y a pas de problème. Mais nous parlons des élus, de ceux-là qui sont appelés à l'enlèvement. Ne jouons pas avec cela. Alléluia! Nous devons saisir. Nous devons comprendre. L'heure où nous sommes arrivés de prier au Dieu, mon frère va venir jouer à ma vie, me financer négativement. Ça, je ne peux pas accepter cela. Si moi, je ne vais pas être financé, tu veux prendre de lui. Si nous avons le bon esprit, on va s'influencer virtuellement pour tout le monde. Nous devons nous influencer virtuellement. Parce que nous avons le bon esprit, parce que nous sommes dans le même corps, nous avons la même vision. Alléluia. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Que Dieu nous bénisse. Nous devons nous.